46. Une semaine de Wild Park qui nous est présentée par Mylène Pelletier, qui vient. Mylène Pelletier, c'est la fille d'Alain Pelletier, notre hôte. La belle-fille d'Alain Pelletier, notre hôte, bien sûr, qui est installée à Torigny-d'Anjou, dans la commune voisine. Une fille de Wild Park qui fait la montre à Danebeau, Wild Park gagnant du dernier allemand. Un fils de Doubaoui. Marchez au pas, s'il vous plaît. La mère, elle est pas assez sort. La mère, elle s'appelle Aliberti Montaigne. En qualité, elle a gagné 4 fois. Et en fait, si on monte un peu, alors vous allez me dire, oh là, c'est loin, c'est sous la quatrième mère, mais bon. Sous la quatrième mère, il y a quand même une souffle d'AQPS qui a fait un cheval de légende. Le nain, le tout petit, Auteuil SF, c'était vraiment tout petit, monté par Bruno Jolivet, gagnant du grand steeplechase de Paris. Il y a eu, allez, il fait partie des 3 cracks nains d'Auteuil, avec Al Capone, avec Chico. Et il y avait aussi Auteuil SF, des chevaux qui dépassaient à peine, enfin les bras levés, le 1m60, et qui sont imposés au plus haut niveau. Auteuil SF, en plus, il a gagné le Grand Prix d'automne sur les haies. Il était capable de faire les deux, c'était l'époque. Allez, Sherwood, monté par Bruno Jolivet. Et puis il y a eu French Cancan, Kaido, Hot Shots, et puis il y a eu Facos aussi, chez Philippe Cotin, dans cette famille, le super cheval de cross. Facos qui n'a jamais remporté un grand cross, mais qui a été pourtant 3 fois deuxième de l'Ange Noir. Challenge, il a participé aussi au grand cross de Prix. Et puis il y a eu Vixvedeux, ça c'est des Vixvedeux, c'est des Cherel ou Jean. Il y avait un autre cheval qui est dans cette famille qui était entraîné par Jean-Michel sur le je ne sais plus où il est. Et puis bien sûr, plus près de nous, Orlando Magique. Orlando Magique, ça c'est tout qui de nouveau, et puis Sire de Grigé.